Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Moto & Co sur la chaîne Motor Live sur YouTube, sur motorlive.tv, un peu partout dans le monde et dans l'univers d'ailleurs, puisque nous sommes en direct de la Lune avec Maëlle Camus, bonjour. Bonjour. C'est la Lune, il suffit de dire la Lune. Ouais. Non, ça va bien, ça va très bien. Ça se voit. Je remarque, voilà. Mathieu, salut, ça va? Ça va bien et toi? Mais, écoute, mieux moi je peux pas. Quand je te vois... Super si je te fais cet effet-là. Ah ouais, j'adore, vraiment. Une chanson de Danny Briand. Ouais, un joli coming out en tout cas, bravo. Garçon, rien à vous voir. Nous inviterez. Ouais. Rien à voir. Salut Philippe, ça va? Ça boum, je reviens de Las Vegas, il y a quelques temps déjà. Ouais, il y a 6 mois. Il est resté bloqué, quoi. Non, ça c'est... Moi j'ai les temporalités sélectives, j'ai du mal. Ouais, c'était bien, c'était il y a longtemps. Ah ouais? Ouais, il y a eu d'autres trucs entre-temps. C'est H2. Enfin, si vous l'avez pas vu, regardez là sa vidéo. Non mais il en peut plus parce qu'il y a plein de commentaires, plein de trucs, il est tout fou. Non, mais tu sais que j'ai vécu un grand moment de poésie. À un moment, j'étais à 60 degrés d'angle, donc sur le banking, t'es comme ça, repoché par terre parce que la moto, elle est écrasée sur les suspensions. Au rupteur en cinquième à 246, avec le mur jaune qui te borde l'horizon, mais ton horizon bascule un peu. Et là, tu te dis que c'est joli, c'est une poésie, c'est Martine à la plage sur sa moto. Tu vois, c'est vraiment. Ah bah au moins Martine à la plage. J'ai adoré. Il faut ça, ouais. Et la moto interpelle, il y a eu plein de commentaires, vraiment ça. Ah oui, bah tu m'étonnes, la pompe à feu que c'est, ce machin-là. Ah, il devait être jaloux, le mec. Non, parce que j'ai vécu la même chose sur une 125 un peu custom avec Power Legenders. Ah ouais, personne ne me croit. C'est quand même dingue, quoi. Et tu termines ta phrase par bonjour ou tu la commences? Non, mais je suis très frustré. Bonjour, sinon ça va. J'adore. Ça aurait été super drôle que tu fasses toute la phrase et puis bonjour à la bonjour fin à la tu fin. Vois, voilà, ah, ça bonjour ça aurait été ouais, très mais très tu bon. Vas te rattraper avec la Street Fighter V4. Ouais, il y a des trucs sympas. Alors si t'arrives dans, je connais Ascari, si t'es à 246 dans le banking, parce qu'il y en a un, tu nous envoies des cartes postales. Ouais, bah en même temps je serais avec le portable, c'est je ça. Ouais. Ou tu te prends en selfie. Voilà, c'est ça. Ça peut être pas mal. Bon, les amis, on va commencer quand même l'émission et notamment avec les petites actus de Maya. Absolument. Tous à vos agendas. Les 9 et 10 mai se tiendra la Sunday Ride Classique sur le Paul Ricard, au cœur des pinèdes de notre belle Provence. Plein de belles anciennes à admirer, mais pas que, puisque les marques y font essayer leurs nouveautés. Et plein d'anniversaires à souhaiter, à commencer par les 50 ans du circuit. Dépêchez-vous de réserver, en ce moment, c'est moitié prix. Il est pas trop mignon ce microletta. Bon, ok, c'est un scooter à 3 roues et en plus il est électrique, mais avouez que là, ça donne presque envie de se convertir. Il a été dévoilé le 4 mars dernier par l'entreprise suisse Micro, qui présentait en même temps la Microlino, hommage à la BMW Isetta des années 50. Allez, on prend les deux. Dans la série « Plus il y a de roues, plus on se marre », décidément très fourni ces derniers temps, Kawasaki vient de déposer un nouveau brevet d'un engin à 3 roues, avec un train avant façon parallélogramme. Une piste pour une prochaine moto genre Yamaha Niken? Votre programme vous est présenté par Dafy. Dafy, la passion pro. On continue avec le shopping direct ou quoi? Comme tu veux. On fait ça comme ça. Si, on fait ça comme ça. Shopping cette semaine, c'est toi? Ouais, c'est moi. Et j'ai ramené, figure-toi, un blouson Bering Drift qui a plein d'avantages. Le magnifique. Premier, c'est que comme j'ai passé récemment le cap de la cinquantaine, quand je mets ça avec ma capuche, et que j'arrive à choper un T-Max d'essai ou une Z, on pense que j'ai 22 ans, et se faire rajeunir, c'est quand même vachement sympa. Tu verras un jour, ça te tombe aussi. Le deuxième truc, c'est que il y a différents coloris disponibles, mais j'ai particulièrement aimé ce petit gris camouflé militaro réfléchissant. Ouais. Parce que de jour, c'est d'une discrétion totale. Ouais, complètement. De nuit, t'es un putain de réflecteur. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, on ne voit que toi. Le phare des voitures, c'est comme ça. C'est Hollywood, on a l'impression c'est que c'est un truc de barge. C'est super sécurisant. Ça m'a dit, tu veux pas lui prendre parce que je sens qu'il galère. Ouais, je te prends, super sécurisant. On va regarder. Ouais, alors le bearing, tu vois, voilà, comme ça. Donc c'est vraiment très, très sécurisant. Pour qu'un mec te roule dessus, il faut quand même qu'il soit complètement bourré ou totalement aveugle. Ce qui n'est pas les impossible. Deux. Ah bah, en Bretagne ou dans les Ardennes, il y a quand même un risque. Mais bon, oh merde, on va encore se fâcher avec des gens. Du coup, il y a plein d'avantages. Doudoune que tu peux retirer, capuche, des poches partout, un matériau assez doux. Moi, j'aime beaucoup m'endormir contre le soir, c'est vraiment très... C'est évidemment pas étanche, hein, rassure-moi. Et tout ça, ben, j'ai pas pris une méga grosse drache, mais sur une petite pluie crachounette, ça fonctionne. Ouais, ça va. Oui, c'est joli. Et tout ça, Marise, pour la modique somme de 249,90 €, ce qui est plutôt pas bien plus. Placé. Non, pas plus. Wow, tout ça pour ça. Non, je plaisante. Ouais, protection, bien sûr. Il y a la dorsale? Non, pas de dorsale. Ah ouais. Non, 250 balles. Ouais, t'as quand même protection coup d'épaule et bien tout. Sûr, hein. ouais, mais comme voilà. Toujours, pas de dorsale. Oui, bon, c'est quand même. La dorsale, tu peux la rajouter. Oui, la dorsale, tu peux la rajouter, puis moi, j'en mets une externe.
enfin externe à mon corps. Et donc, donc voilà. Je suis pas encore dans l'exosquelette. Il y a évidemment des serrages partout, des trucs ici, des petits bitonios pour faire plop sur les côtés. Et puis franchement, je trouve ça assez agréable parce que ça fait un peu un mélange entre le streetwear ou le sportswear et l'équipement moto. C'est donc hyper polyvalent. Surtout comme nous, tu vas pas bosser en costard tous les jours, donc ça fonctionne. Non, c'est, d'ailleurs, non, en costard, on aurait l'air un peu, bizarre. On aurait l'air un peu bizarre. Merci. Merci à toi, vraiment. Merci à vous, ça reste un plaisir. Ça fait plaisir. Ah, c'est bien, ça avait l'air molletonné. Moi, j'aime bien. J'adore le molletonné. Bon, il va peut-être faire un petit peu chaud là, dans pas longtemps. Il va peut-être falloir le ranger et le ressortir pour l'automne. Tu retires la doublure interne. Ah bon, ça va. Polyvalence totale. Polyvalence. Moi, j'adore la polyvalence. On passe au gros dossier, s'il vous plaît. Merci. Gros dossier cette semaine, on a dit qu'on parlait des nouvelles mobilités, des nouvelles formes de mobilité, c'est-à-dire en gros ce qui nous pourrit un peu la vie. Non, je vous promets, je vais essayer de pas parler de toutes les mesures qu'on nous annonce pour les municipales à Paris avec les places de parking qu'on veut nous faire supprimer partout, les petites trottinettes qui vont à droite à gauche, les plaques d'immatriculation sur les vélos, les pistes cyclables qui devraient prendre la place. Normalement, il y en a une qui doit passer chez vous, directement dans vos salons, etc., etc. Et les forêts géantes et la savane à l'intérieur du 3e arrondissement de Paris. On n'en parlera pas. En revanche, on va quand même parler du fait qu'on voit quand même arriver pas mal de petites choses, notamment avec des nouvelles formes de véhicules, des nouvelles énergies, des choses comme ça. C'est quand même important parce que, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on passe peut-être à autre chose que le thermique. Je suis navré d'avoir à vous dire ça, les amis, mais il y a effectivement... Alors, mais dis-toi, tu as bien regardé là, l'histoire des zones, des nouveaux petits véhicules, etc. Et tu veux parler des EDPM, c'est ça? C'est quoi les EDPM? Les engins de déplacement personnel motorisé, c'est les fameuses trottinettes, gyroscopes, tout ça, qui commencent à en fait, prendre la place des thermiques en ville. Il y a encore aussi des scooters électriques. Pourquoi? Parce que depuis... en fait, on est des mauvais élèves, la France. Oh. Ouais, on pourrait économiser 6600 vies parce qu'il y a trop de pollution, notamment à Paris. Là, je parle du cas parisien. On a été épinglé par l'OMS. Donc, mesures restrictives. Les fameuses zones à circulation restreinte, qu'on appelle également zones à faible émission. Ça va de pair avec les vignettes, tu sais. À critères. Les vignettes critères. Ouais. Donc, jusqu'alors, on avait les critères 5 qui étaient interdits. Depuis l'année dernière, ce sont les critères 4 qui sont interdites. Les vignettes, ouais, ou les véhicules, voilà. Prochainement, 2021, voilà, critère 4. Non, c'est pas ça. En fait, je me suis planté. Ah ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. En fait, 2019, c'était à Paris, mais dans le Grand Paris, c'était encore du 5. Ouais. 21, c'est 4 partout. Ensuite, 2022, c'est critère 3. 2024, plus de diesel. 2030, plus de thermique. Pour les motos, le diesel, on est peinard. Là, normalement, il y en a quelques-unes. C'est pas de la grande distrib. Quoi. Donc, en gros, dans ces zones, on ne pourra plus rentrer avec nos chers engins. Oh là là. Et ces zones, pour l'instant, tu as trois villes. Hein, c'est Paris, Grenoble, Strasbourg. Mais là, fin 2020, ça s'étend à 15. Et puis bon, plus ça va aller. Il y a 231 villes européennes qui ont adopté ces zones-là. Donc, ça va dans le sens de l'histoire. Savoir si c'est bien ou pas bien. Bah, on en parle souvent quand même dans cette émission, nous, vous savez ce qu'on pense, je vais paraphraser le filou national de cette émission, mais voilà, on est des vieux briscards et on est un peu des dinosaures, des diplodocus quand même de la mobilité, nous. Ouais. On croit que dans les trucs thermiques qui font du bruit avec une poignée de gaz et du gaz, malheureusement qui en sort peut-être un petit peu de nos bestioles, mais quoi qu'il en soit, il va peut-être effectivement falloir qu'on passe à autre chose. Mais alors concrètement, il y a quoi aujourd'hui, parce que on nous rebat les oreilles avec ces histoires d'électrique, mais concrètement, Maya, qu'est-ce qu'il y a comme aujourd'hui, concrètement, si on fait le portrait robot, tu vois, de ce qui existe en électrique pour remplacer le thermique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à disposition? Bah écoute, il y a pas mal de choses, et puis il y en a de plus en plus, on en voit tous les jours débarquer. Si tu veux parler de quelque chose de cohérent, aujourd'hui, tu as un petit scooter électrique 50, voire 125, petit 125, homologué en tant que 125, mais qui va jusqu'à 70-80 km/h. Avec ça, tu peux, tu as une autonomie de 70 à 100 km à peu près, pour un tarif qui va entre 2000 au mini de chez Mini jusqu'à 5000. Bon, tarif qui peut être considéré comme assez raisonnable par rapport à ce qu'on voit en thermique. Et c'est facile parce que t'as pas besoin de beaucoup d'autonomie avec ce petit scooter, t'as pas de batterie qui pèse très lourd, donc tu peux aussi les transporter chez toi. Voilà, ça aujourd'hui c'est cohérent.
En revanche, pour ce qui est d'un usage plus routier, là, ça devient plus compliqué, parce qu'avec les motos ou les gros 125, comme le CEVO, bon, qui te permet une autonomie de 100 km, un petit peu plus 160 sur le long range, mais les motos qui sont destinées à un usage routier, comme les Zero ou comme une Harley, Livewire, bon, une autonomie de 170 km/h en usage mixte, c'est quand même pas énorme. Et en plus, c'est vraiment quand tu fais un peu gaffe, quoi. Ouais. Bah, sur donc, l'autoroute, c'est compliqué quand même. Et sur l'autoroute, c'est compliqué. Sur l'autoroute, là, t'oublies l'affaire. C'est pas 170 km. Parce que si je ne m'abuse, et ça, j'ai parlé sous le contrôle de Philou, parce que toi, tu connais bien notamment les voitures, mais pour les motos, je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose. Mais j'ai compris qu'il y avait une vitesse qui était acceptable pour l'électrique, pour bien sauvegarder justement les batteries. C'était plutôt dans les 80-90, plutôt en cycle, tu vois, enfin, sur des départementales. Plus t'es à basse vitesse. En fait, le problème, les électriques, d'abord, c'est la boîte de vitesse, puisqu'en fait, il n'y en a pas. Donc, en fait, le moteur tourne très vite, à très haut régime, plus tu roules vite. Et donc, c'est compliqué, ça consomme énormément. Ce qui n'est pas le cas d'une voiture où tu mets la 6e, la 7e ou la 8e dans les boîtes auto et tu baisses tes régimes de rotation. Là, ce n'est pas le cas, c'est proportionnel à la vitesse. Donc, fatalement, plus tu roules doucement, moins tu consommes. Tu prends une Tesla, on a tous vu des Tesla sur l'autoroute, les mecs sont contents parce qu'ils ont une caisse de 500 chevaux, ils roulent 12 à 110. Bah oui, parce qu'ils économisent la batterie. Voilà. Donc en moto, si tu veux, c'est pareil. Si tu vas rouler à 80 km/h stabilisé sur National, tu as les chances d'aller un peu loin. Mais les cycles d'homologation tels qu'ils sont, par exemple, l'A0, et j'ai rien contre eux, je trouve que c'est une super marque de moto électrique à prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un très bel outil pour de l'urbain ou du périurbain. Ils viennent de sortir la SRS, homologation autoroute 132 km. Tu peux pas te dire, je pars en vacances avec ça. Alors, ils sortent une GT routière un peu sportive, machin, à 23 000 €, 24 000 €. Mais en fait, en vrai, c'est un gros scooter. Ça sert à aller bosser, ça sert à aller faire une petite virée le samedi après-midi à la campagne, mais pas loin. Mais tu peux pas raisonnablement, sauf si tu habites en Californie où tu as un superchargeur toutes les 20 minutes. C'est pas le cas dans le Morvan. Superchargeur, c'est pas le cas. Non, alors il y a différents systèmes de prise rapide, mais un truc rapide, tu as quand même besoin, dans le meilleur des cas, de 1 heure à 1 heure et demie pour recharger ton véhicule. Mmh. On a beau nous faire croire que c'est le temps que tu mets à manger un sandwich donut et aller faire pipi dans une station essence, c'est pas vrai. Quand t'es pressé, tu fais le plein, 3 minutes après, t'es reparti. Mmh. Voilà. Mmh. Et là, toi, au niveau marché, ce qui l'offre aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est, on n'y a pas tellement plus que ces autonomies-là. Ouais, temps. Mais là, tu parles d'aujourd'hui, hein. On a 10 ans pour améliorer. Oui, on a 10 ans, et dans 10 ans, je pense qu'on va réussir à mettre peut-être des boîtes de vitesse sur les motos ou les scooters. Mmh. Et là, du coup, on va peut-être gagner en vitesse, en longévité de batterie et tout. Mais bon, il y a le poids qui compte, donc il y a plein de choses. Mais voilà, il y a 10 ans pour améliorer le deux-roues électrique. Mais c'est surtout au niveau des batteries. Il y a des chercheurs australiens là, qui sont sur un projet de batterie soufre. Qui ont une capacité 5 fois supérieure pour une densité, enfin avec une densité énergétique carrément extraordinaire. Donc moi je pense qu'effectivement on n'est qu'au début, là on est en train de vivre les débuts de la mobilité électrique et dans 5 ans et même pas, ce qu'on est en train de dire là, ce sera du passé. Quoi. Alors avec tout le respect que je voue à ton intelligence et à ton savoir, qui sont tous les deux immenses, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, comme vous le savez, moi j'ai une activité presse auto à côté de ce que je fais pour vous. La voiture électrique, j'en fais depuis 2009. C'est un peu le début vraiment des premières voitures. En fait, on n'a rien amélioré depuis. C'est-à-dire que ce qu'on s'est contenté de faire, c'est des voitures plus grosses avec plus de batterie. Mais l'équation, c'est la même. Et du coup, à un moment, elle a de l'autonomie, il y a un pack de batterie. Oui, la bagnole, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment, tu résous le problème en faisant plus, mais sauf qu'à un moment, tu franchis une zone d'équilibre et tu rentres dans un cercle maléfique à la place du cercle vertueux. Aujourd'hui, on a des tanks Audi e-tron, etc., par exemple. C'est une hérésie. Parce que sortir de la ville avec ça, t'es à 30-35 kWh par 100 km, alors ils compensent en mettant 90 kWh de batterie. Ouais, d'ailleurs c'est bizarre parce qu'on en arrive pas mal à parler bagnole dans cette émission qui est quand même normalement consacrée à la moto deux roues. Mais c'est vrai qu'il y a une capillarité entre les deux parce qu'on voit ce qui se passe, il y a beaucoup plus de modèles disponibles visuellement. Dans la bagnole, alors qu'en réalité, en deux roues, il y en a pléthore. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des bagnoles et qu'on a plus l'occasion peut-être de constater justement, les efforts qui sont faits par les constructeurs, et deux, ce gap qu'il y a entre la quantité de batterie nécessaire, le coût de la voiture en l'occurrence, pour des autonomies qui sont quand même un peu ridicules, faut quand même le dire. Alors, une bagnole qui coûte 150 000 euros pour en gros faire 300 km avec sans avoir... 250 l'hiver. C'est juste absolument
hallucinant. Enfin, moi, plus le coût de la recharge, quand on est sur les trucs où on ne sait jamais à quel prix on va payer l'électricité, c'est indécent comme système. Plus le fait que il faut quand même avoir la possibilité de se recharger chez soi, au travail, machin. Tout ça continue d'être complètement vaseux, mais dans le deux roues, il y a quand même quelque chose qui frémit. On le sent quand même. Vous me le disiez, moi j'avoue ne pas l'avoir constaté parce que je ne suis pas parisien. Mais manifestement, on en voit de plus en plus quand même des petits électriques dans Paris. Et pas des trucs de location, vrais, des petits Niu, des Super Soco. Même moi j'ai vu des Super Soco rouler. Donc c'est bien en train de prendre. Mathieu, toi je te pose la question parce que tu connais bien le truc. C'est qui le client de l'électrique aujourd'hui dans Paris ? Voilà, tu l'as dit, c'est dans Paris, c'est le Parisien. C'est celui qui va pas faire 50 km dans la journée. Il va faire un trajet, 15 bornes dans la journée. Il va recharger sa batterie, deux fois par semaine maximum. Et soit il a une prise dans son sous-sol pour recharger, il prend une zéro ou un truc dans le genre, soit il va prendre un petit scoot type 50 ou équivalent 125. Il peut mettre la batterie chez lui pour la recharger. Et là, du coup, t'as un véhicule qui fonctionne bien pour ce que t'as besoin de faire. Et c'est quelle tranche d'âge, enfin, toi, t'as repéré est-ce qu'il y a des jeunes ? Parce que moi, je t'avoue que je suis un peu inquiet pour le deux roues à l'avenir, parce que j'ai l'impression que les jeunes de 14 ans aujourd'hui, ça ne pas du tout aux deux roues. Non. C'est pas le jeune de 14 ans, c'est sûr. C'est soit le jeune qui s'en fout complet, qui est plutôt geek, et qui s'en fout complet d'un deux roues thermique. Et lui, il préfère avoir un iPhone au top et puis un petit scooter comme ça. Mais non, c'est sûr que c'est pas le jeune de 14 ans. Donc c'est quoi tu vois des adultes ça va être l'adulte qui va bosser en costard-cravate, qui a pas envie de sentir l'essence, qui a pas besoin d'aller à la station-service. C'est quand même pratique, c'est propre, c'est autre chose. Nous, c'est pas ce qu'on recherche en tant que motard. Par contre, là, c'est des nouveaux utilisateurs. C'est pas le motard. C'est un utilisateur qui était peut-être au vélo, mais qui en a marre de pédaler sous la flotte et puis de puer la sueur quand il arrive au boulot. Là, il a comme un vélo, un truc écolo, quoi, pseudo-écolo, ok ouais. Et qui est propre sur lui, qui n'a pas besoin d'aller à la station-service et qui a l'impression de faire un geste pour la planète aussi. C'est pas du passionné, quoi. Ah non, c'est pas du passionné. Alors, sur la petite TC Max, un petit peu quand même. Ouais. Parce qu'on peut changer quelques pièces, faire un truc un peu sympa. Elle a une bonne tête en plus. Ouais, elle a une bonne tête. C'est un chouette véhicule. Alors, il y a un petit peu quand même sur TC Max. Comme sur les 0,15 chevaux, c'est des gens qui justement ont un petit peu cette sensibilité, sortir du pratique pour avoir un truc un peu ludique, quoi. Oui. De toute façon, là, c'est pratique au départ. De toute façon, on voit bien les scouts qui sortent, c'est les scouts du marché asiatique, hein. C'est tout petit et tout. Puis ça va arriver sur le ludique plus tard, et ça se trouve, dans 15 ans, on fera la même émission, on se dira, mais comment on faisait pour rouler en thermique, quoi ? On a des super trucs électriques qui accélèrent à la mort. Non, moi, je vous raconterai des souvenirs, c'était vachement cool, le thermique. Ouais, une W01 plein gaz, qui disparaît, la tête dans la bulle, je veux dire. Ok, non, mais. C'est autre chose qu'un. En plus, c'est électrique, Dyson. Rien ne dit qu'on roulera pas au gaz. Hein. Oui. Ah ouais. Non mais on ne sait pas. En fait, on ne sait pas encore. Je pense à l'hydrogène. Ouais, oui. Je suis le seul. Moi, je vous le dis, hein, franchement, je autant l'électrique pur avec des batteries et tout, ça me laisse assez circonspect. Autant l'hydrogène, pour le coup, là, pour avoir essayé des véhicules à hydrogène, je trouve le principe génial. Alors, je sais que il faut pratiquement dépenser plus d'énergie pour réussir à fabriquer suffisamment d'hydrogène. Bon, c'est amené à évidemment à s'améliorer aussi. Mais globalement, l'hydrogène, c'est cool. T'arrives à la station, tu mets ta pompe. C'est un peu le même principe qu'avec de l'essence. 3-4 minutes plus tard, t'as rempli ton super réservoir en carbone de 7 cm d'épaisseur qui est capable de résister à 700 bars. Autant dire que ça met un peu la trouille. Mais n'empêche que tu repars pour 4 à 500 km hein, avec les Hyundai Fuel Cell que moi j'ai essayé il y a quelques années. Alors j'ose pas imaginer aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est l'avenir. Ça te fout la trouille. Alors, tu roules quand même sur une bécane avec 20 litres d'essence dedans, quoi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pensait de ça il y a un siècle? Il y a un siècle, on pensait que l'électrique prendrait le pas sur tout le reste. Oui, aussi. Et on est finalement passé au thermique, rappelons-le. Mais à la base, les véhicules, on s'orientait plutôt vers l'électrique. Non, mais même tu dis, ouais, un réservoir de 7 cm, ouais, on est sur une bombe presque, sur l'hydrogène. Mais non, c'est pas une bombe. Non, mais bon, non, voilà. Mais ça en réalité, on est quand même sur sur un véhicule essence aujourd'hui, du thermique, il y a de l'essence. Ça prend feu aussi, quoi. Regarde toutes les voitures, toutes les Lamborghini Murat, etc., qui ont pris feu parce que c'était une technologie,
c'était vraiment des pompes à feu, comme on disait, tu vois. C'était super léger, avec des réservoirs très fins, des tôles, machin, qui rouillaient et tout. T'as plein de voitures de collection très puissantes, très poussées, qui prennent feu parce que t'as un retour de flamme dans les carburants. Et puis, bah, bien sûr, mais même des donc, c'est plus sûr plein, qu'une Toyota Mirai ou qu'une Hyundai. Sur YouTube, t'en vois plein des vidéos de mecs à Londres qui font rupter de la Lambo, des machins, ouais, ouais. Qui prennent feu. T'en vois alors, ça, c'est les catalyseurs qui brûlent parce qu'ils roulent comme des débiles. En même temps, c'est bien fait pour eux, toi, Darwin aussi, il est là pour faire la sélection. Donc, voilà. Mais bon. Bon, et Philou, alors quand même, pour nous faire avaler quand même la pilule de l'électrique, parce qu'on va quand même essayer de finir l'émission là-dessus, les constructeurs se sont quand même derrière des opérations qu'on pourrait qualifier des opérations de com', quoi. Oui, c'est de la com'. Alors, encore une fois, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, j'adore l'électrique. Je trouve qu'en ville, c'est parfait. Je pense que si tout le monde roulait en électrique, les villes seraient silencieuses, il y aurait moins de malades mentaux autour de nous. C'est vrai. Je suis venu en ce moment, ce matin, avec une voiture électrique qui est dans le parking en bas. J'adore ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que ça reste, pour l'instant, cantonné, non pas à l'usage qu'on peut en faire, mais aux capacités du truc. Deux exemples. Alors, on va pas se fâcher avec Zéro, parce que c'est déjà fait, puisqu'on a écrit un article sur votre service. Que se passe-t-il? Il y a deux petits gars, Thomas et Dulcie, qui ont décidé d'aller du Maroc en Afrique du Sud. Très bien. En deux roues. Très bien. Et puis, pour faire une espèce de trip où ils ont rencontré une centaine d'entrepreneurs qui étaient dans des énergies positives pour sauver l'Afrique. Et c'est très bien parce que c'est un continent qui souffre un peu d'une sorte d'afro-pessimisme et c'est injustifié. Il y a aussi plein d'initiatives. Mmh. C'est pas que la misère, c'est pas que le développement. Il y a plein de choses. Il n'y a aucun problème. C'est génial. Il n'y a pas de souci. Sauf que pour ça, ils ont pris une Zéro électrique, la FXS, l'espèce de trail, machin. Mmh. Pourquoi pas? J'ai pas de problème avec ça. Pas du tout. Pas de chance. J'ai vécu 8 ans en Afrique. Pas de chance, je suis allé à Dakar en moto, j'ai traversé le Sahara occidental, j'ai traversé la Mauritanie, je connais très bien la Namibie, etc. Et quand je lisais le communiqué de presse, je me dis quand même, faire ça en Zéro, c'est tendu. C'est pas gagné, tu vois. Où est-ce qu'il se branche? Et puis en creusant, on se rend compte qu'il y a un 4x4 qui suit, qui sert de groupe électrogène aux besoins. En posant des questions par email, on se rend compte qu'un endroit touchy, qui est le No Man's Land entre le Sahara occidental et la Mauritanie, ils l'ont passé sur le camion, parce que ça passait pas avec la moto. Ils expliquent que les hôteliers sont très contents de donner l'électricité gratuitement, alors que tout le monde te fait payer l'essence. Je suis plutôt content d'apprendre ça, mais quand on fera 40 à se pointer avec notre moto électrique dans un hôtel au fond de l'Afrique, surtout quand tu es touriste, tu as quand même tendance à servir un petit peu à financer l'économie locale, donc c'est pas très certain, ce qui n'est pas illogique, mais en tout cas, pas illogique, ouais. Bon, voilà. Ouais. Donc si tu veux, on est à la fois, et en plus les mecs ne donnent aucune info. Moi j'aurais adoré qu'il y ait l'autonomie, qui t'explique chaque étape, combien de bornes ils ont fait, combien de temps ils ont mis à recharger, où est-ce qu'ils ont rechargé, d'où venait l'électricité, enfin, un vrai truc. Et en fait, il n'y a aucune info. Donc, on n'est pas dans l'information. Il m'explique, j'ai traversé l'Afrique, voici comment ça s'est passé. J'adore. Il m'explique, j'ai traversé l'Afrique et c'était sympa. Moi, je suis journaliste, je ne bosse pas au Point de vue Image du Monde, tu vois. Donc, c'est peut-être l'avenir, Point de vue Image du Monde par rapport à la presse moto. Mais à n'en pas douter. Mais en tout cas, voilà. Et on a fait des emails, on a échangé. Il n'y a toujours pas beaucoup d'infos. Un peu, mais voilà. Donc, du coup. C'est pas de l'info, c'est un fait. Ils ont fait des trucs, très bien. Moi, hier, j'ai mangé une pizza. Je n'envoie pas un communiqué de presse, ça n'intéresse personne. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas. Mais on est tellement hors de l'usage. Et puis ensuite, tu auras toujours plein de gens qui feront des trucs farfelus avec n'importe quel véhicule. Et tant mieux, parce que l'humanité, c'est ça aussi, c'est un grain de folie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont fait ça en Zéro. Ils se sont fait aider d'un 4x4. Ils n'ont pas rechargé partout comme ils auraient dû. Et alors? Mais est-ce qu'ils avaient vraiment la prétention de démontrer quelque chose? Non, ils voulaient rien démontrer. Mais voilà, quand tu veux rien démontrer, tu vois pas un communiqué de presse. Ah, c'est là. Tu fais quand même une communication sur un véhicule. Un voyage. Moi, j'ai bossé. Je suis sûr qu'ils ont galéré. Justement. Tout le monde s'en fout. Je suis pas d'accord avec ça. Là, en gros, les gars se sont fait plus ou moins rincer des vacances pour traverser l'Afrique en bécane, quoi, quelque part. Oui. C'est un peu ça. Enfin, ils en profitent pour médiatiser le truc. C'est un peu comme les mecs qui se font sponsoriser leur mariage, quoi. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Mais ça n'a aucun intérêt. Mais en tout cas, ça n'en a pas pour moi. Avant, je faisais un métier sérieux avant de faire de la presse moto. J'ai bossé à la communication d'une boîte du CAC 40, règle numéro 1, quand t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Tu vas pas mettre des journalistes sur un truc où ils vont creuser, et puis derrière tu dis, je sais pas, on n'est pas sûr, peut-être que pas. Ce qui est terrible, c'est que sous couvert de dire la moto électrique c'est cool, et on a traversé l'Afrique mais ça, c'est très sans bien. Polluer. Le problème, c'est que dès que tu passes juste la photo avec le titre, dès que tu vas juste derrière, tu te rends compte que. Obligatoirement t'as pollué, puisque pour recharger l'électrique, il a bien fallu quelque chose pour générer de l'électricité. Oui, mais sans encore, pourquoi pas. En l'occurrence, c'était un 4x4 qui était derrière avec un générateur, en gros, quoi. Oui, il y avait ça. Bon, voilà, quoi. C'est un peu... Donc, en fait, ça tient pas, quoi. Si tu veux, le truc, c'est qu'on te force à croire que c'est génial, alors qu'en fait,
ça ne l'est pas quand tu sors du cadre d'utilisation pour lequel c'est conçu. Autre exemple, d'accord. Tu me donnes encore une minute. Bien sûr. On a les excellents Ewan McGregor et Charlie Borman qu'on connaît pour leur tour du monde dans tous les sens, etc. Ils ont fait un truc là entre la Patagonie, Ushuaia et Los Angeles. Harley Davidson, ouais, c'est cool. Harley Davidson était derrière le projet, très bien. Et il leur a filé non pas des Pan America, mais des Livewire. Waouh. Et là, ça se complique, mon coco. Bah pareil. Même constat. Alors, en fait, je ne suis pas expert en marketing, mais si Harley cherche un directeur marketing monde avec un Ford F-150 de fonction et 200 000 boules dollars par an, je suis candidat. Oh bah non, parce qu'à mon avis, c'est une grosse erreur de marketing. Alors là, on va se fâcher avec Harley. Mais imagine, déjà, Harley, ça fait 11 ans qu'ils perdent des ventes tous les ans. Donc, ils ont quand même un petit souci, même si on les aime beaucoup et qu'on aime bien leur moto, ils ont un petit souci de positionnement. Leur clientèle vieillit, elle est hyper tradie. Dès qu'ils sortent un truc, ils sortent du moule, tout le monde crie, il y a un problème. Ils sortent bientôt un gros trail. Ouais. Tu mets Ewan McGregor, Charlie Borman, qui ont quand même des bonnes gueules, qui sont des bons clients, ouais. Sur une Pan America, en remontant la Patagonie. Et qu'on traverse le monde en GS, si je ne m'abuse. Et qu'on traverse le monde en GS, donc là, il y a de la crédibilité. C'est l'occasion de faire mousser la Patagonie. Un clip MTV qui dure 25 heures. Ouais, c'est du rêve. Là, ils sont en Livewire. Concrètement, tu pars sur ta Livewire, on sait Maya qui a 150 bornes d'autonomie quand tout va bien, donc tu roules, alors tu roules jamais vite dans des endroits comme ça, tu vas rouler 3 heures, tu vois, et tu passes une journée à attendre. Donc en fait, que va montrer la vidéo? Soit elle montre des mecs qui sont là jouer au Scrabble au fond d'une case en Patagonie parce qu'ils voilà. Ensuite, ils se rechargeaient chez les gens, donc on sait bien que le système électrique, eux te racontent, ils avaient deux motos, ils avaient deux 4x4 électriques, puis en fait, ils avaient d'autres véhicules qui servaient vraiment de groupe électrogène. Des fois, ils se pointaient dans un village, ils branchaient les deux motos, tout sautait. Bah oui, parce qu'à 4000 mètres d'altitude dans l'altiplano, t'as pas forcément c'est pas prévu pour, ouais. Une centrale. Ah bah c'est pas Fessenheim à côté. C'est pas Fessenheim. Donc du coup, la moto, elle fait un truc pour lequel elle n'est pas conçue. Ok. Les mecs, ils passent leur temps à attendre. Parce qu'en fait, en vrai, ils roulent 3 heures, ils attendent 12 heures pour que ça recharge. Ils sont tombés en panne plusieurs fois. Et qu'est-ce que tu sors de ça? Donc soit alors, il y a une idée géniale, c'est Harley est à la pointe du progrès, le monde n'est pas encore prêt pour Harley. Ça me paraît tendu. Moi, j'aurais préféré voir une Pan America en train de faire des roues arrière. À part des pannes électriques, ils n'ont pas eu de galère technique. On ne sait pas ça encore. C'est ça qui est dommage. Pas encore fait. Ils auraient peut-être pu jouer au moins là-dessus. Ouais. Mais voilà. Donc, si tu veux, en tout cas, les constructeurs sont tous en train de nous faire croire que c'est la norme, que c'est du véhicule comme les autres. On fait la même chose qu'avec les autres. Comme dans l'auto. C'est pas le cas. Comme dans l'auto. Comme dans l'auto. Par contre, il y aurait qu'on nous explique à quel point c'est bien en milieu urbain. Moi, je suis pour ça. Encore une fois, j'adorerais tous les jours être dans des véhicules silencieux plutôt que d'avoir des diesels qui claquent ou des T-Max avec des poids crapauds. Ouais. Si je devais conclure ce qu'il va falloir de toute façon faire, c'est qu'en gros, aujourd'hui, l'électrique, c'est soit t'es citadin, soit t'es patient. C'est une excellente conclusion, voilà. Philippe. Je reconnais là ton sens de la formule. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Et comme ça, on va terminer là-dessus parce que c'est vrai que c'était pas mal. Et on a raté nos challenges littéraires. La bite à Griveaux, tout ça, on n'a pas réussi à les passer. Non, en plus, ça date. C'est vrai. La loose. Oh la loose. C'était quoi, toi? Je me rappelle plus. Cheesecake. Des cheesecakes, c'est ça? Ouais, allez. Il était où? Ah, le Yuki. Il est là. Il était là, le Yuki. Il était là, il sera là aussi la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, et donc on se retrouve bien évidemment avec grand plaisir la semaine prochaine sur cette chaîne, sur motorlive.tv aussi, parce que vous voyez aussi sur motorlive.tv en même temps sur YouTube, peut-être même sur Motoservice, enfin bref, sur vous TF1, pouvez nous voir un petit TF1. Peu partout, bientôt sur TF1, bientôt sur en prime à la place de Nikos, j'en ai toujours rêvé, ça va bien finir par arriver, et donc à la semaine prochaine, salut, à bientôt.